What the fuck, c'est la fin les amis. C'est la fin de la carte, je pense bien. C'était prévu. Un dernier au revoir les gars, cette carte. Un dernier au revoir aux villes. À tous vos spawns préférés. Est-ce réellement la fin de Fortnite les amis? En tout cas il s'est passé plein de choses durant l'événement et même après l'événement. Mais évidemment je vais tout vous dire aujourd'hui. Et même certainement des choses que vous ne savez pas. Bon, ça va faire maintenant 15 heures les amis que la map a totalement disparu sur Fortnite. Et que du coup on a droit à un gros trou noir, ouais. En tout cas sincèrement c'était un événement incroyable. Et pour ceux qui l'ont pas vu, je vous montre un petit clip de ma réaction à l'événement en fin de vidéo. Mais d'abord j'ai beaucoup trop d'informations croustillantes à vous donner. Et je vais vous les donner maintenant, ouais. Bon, il faut savoir les gars que depuis l'événement, beaucoup de choses se sont passées que vous n'avez peut-être pas vu. A commencer par les comptes officiels de Fortnite sur Twitter et Instagram, parce que la bannière des comptes a été changée en trou noir, et les photos sur Instagram sont devenues un gigantesque trou noir aussi. Bizarre, me direz-vous. Mais ce n'est pas tout, non. Comme certains le savent déjà, il y a eu toute une série de chiffres qui sont apparus autour du trou noir, en commençant par le 11, le 146, puis le 15, et ainsi de suite. Et sur Twitter, plusieurs personnes avaient annoncé un événement à 23h07 exactement. Et du coup, durant le stream, on a entendu longtemps. Très longtemps. Et il s'est rien passé. What? Foutez de ma gueule. Ah bah on s'est fait entuber. On va s'arrêter là, les gars, j'en peux plus. Bref les gars, pendant le stream on a essayé d'enquêter tous ensemble pour savoir exactement ce que voulaient dire ces chiffres. Au début on en avait déduit que c'était peut-être des coordonnées géographiques. Et effectivement ça correspondait quand même au siège d'Epic Games qui se trouve en Caroline du Nord aux États-Unis. Et le problème, c'est que ça ne voulait absolument rien dire. On a donc continué notre enquête. On a fait des calculs encore et encore. Et ça nous menait à rien. Mais des personnes ont quand même trouvé la solution. En réalité les gars, les chiffres qui étaient donnés par le trou noir étaient en réalité un code donné par le voyageur. Pour déchiffrer ce code il fallait simplement suivre l'enregistrement qui avait été donné par le voyageur sur Fortnite, et chaque chiffre en fait correspondait à un mot du voyageur, en commençant par le 11 qui était en fait le 11e mot prononcé par le voyageur, ensuite le 146e mot, ensuite le 15e mot et ainsi de suite, pour au final former une phrase: je n'étais pas seul, d'autres étaient en dehors de la boucle, ce n'était pas calculé, le néant est désormais inévitable. Et évidemment ça s'arrête pas là, non, puisque certains influenceurs comme Ninja n'ont pas hésité à faire monter un petit peu la hype. Vu que personne n'arrivait à déchiffrer le code et à savoir exactement à quel moment Fortnite allait revenir, Ninja n'a pas hésité à donner un petit indice en donnant le mot tacos. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais apparemment, selon les commentaires, ça fait référence au Tacos Tuesday. Et Tuesday en anglais vont donc dire mardi en français. Alors, est-ce que le chapitre 2 de Fortnite reviendra ce mardi? En tout cas, c'est une date de fin qui a été donnée déjà par des leakers. La date exacte étant le mardi à midi. On aurait soi-disant donc droit au chapitre 2 de Fortnite ce mardi. Mais évidemment, c'est pas encore sûr. Parce que Fortnite pourrait aussi revenir jeudi selon d'autres leakers. Donc, autant vous dire qu'on est quand même un petit peu perdu, ouais. Je vous épargne aussi tout ce qui s'est passé durant le stream d'hier. Puisqu'on a sur le stream d'autres gros streamers comme Tfue, on pouvait apercevoir ce qu'on aurait pu croire la nouvelle map. Et malheureusement, c'était beaucoup trop beau pour être vrai, puisque c'était totalement un fake, ouais. Ah là là, ce Tfue, un gros blagueur. Bref, les gars, c'est tout ce qu'on sait sur le trou noir à l'heure actuelle, en tout cas à l'heure où je tourne la vidéo. Et évidemment, il y a aussi d'autres grosses rumeurs qui partent un peu à gauche et à droite. N'hésitez pas en tout cas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé de l'événement et ce que vous en pensez du trou noir. Quand est-ce que Fortnite va revenir? Et si surtout vous avez envie que ça revienne avec une toute nouvelle map, évidemment. Parce que là, ça commence à faire long quand même. Et évidemment, je vous laisse avec la réaction que j'ai eue sur l'événement hier. Parce que je vais pas vous mentir, j'étais vraiment comme un gosse. L'événement était fou, vraiment. Bref, bonne fin de vidéo à tous. Et on se retrouvera sur Fortnite chapitre 2. Enfin, je l'espère. Elle va démarrer, elle va démarrer. Allez, 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 allez. Vous voyez au-dessus de la fusée, il y a un truc qui se passe, les gars. C'est parti. L'événement fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? On se rapproche encore un peu. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, pour les prochains événements, pour toutes les vidéos, etc. Ok, ok. Vas-y là! Pour une fois qu'un événement fonctionne, c'est parti! La bande son est incroyable. Est-ce la fin, les gars? Est-ce la fin du jeu? Est-ce la fin de la map? Je ne sais pas. J'ai hâte, vraiment. What? Ok, là la fusée elle est partie. Elle a lâché le. Ouah! What? Elle est ressortie par l'autre côté, les gars. Elle va s'écraser, elle va s'écraser, elle va s'écraser. Il y en a une deuxième? Ah non, c'est la même. Mais qu'est-ce que... What the fuck? On dirait qu'elle s'est... Elle s'est multipliée. Il y a plusieurs... Elle va aller au-dessus de la faille. Voilà. Oh
C'est insane, c'est insane. Ah, elles vont toutes au même endroit. Où est-ce qu'elles vont sortir? Elles vont péter la météorite? Ah non. Ah. What the fuck? Ils sont en train de créer une faille, on dirait, pour la météorite, c'est bizarre. Wouhou! Ils sont trop forts, les gars, en termes... Où est-ce qu'elle est partie? Dans la faille? Wow! What the fuck, c'est la fin, les amis! C'est la fin de la carte, je pense bien! C'était prévu! Il t'en va. Un dernier au revoir, les gars, cette carte. Un dernier au revoir aux villes. À tous vos spawns préférés. À toutes les fois où vous avez spawn. Vous avez fait top 1 sur cette carte. C'est la dernière fois, je pense. What? Là, on est dans un autre espace-temps, les gars. On n'a jamais vu l'île comme ça. L'explosion finale! Attention! On est aspiré, on est aspiré. Je peux plus la contrôler. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce le nouveau Fortnite, les gars? Le chapitre 2, c'était incroyable. C'est en train de charger. Je sais pas quoi, mais c'est en train de charger. Une nouvelle map, peut-être? Je ne sais pas. Ok. On dirait un genre de trou noir, les gars. C'est un trou noir. C'était insane. C'était incroyable.